Ibrahim Abdallah nous envoie cette lettre. Chers camarades, chers amis, vous avoir rassemblés ce soir autour de cette initiative solidaire me remplit de force et me réchauffe le cœur. Tout au long de ces années passées, votre mobilisation, camarades, et les multiples initiatives que vous avez su développer, non seulement ont participé efficacement à démasquer l'acharnement judiciaire dont font l'objet les prisonniers révolutionnaires, mais aussi et surtout ont fortifié et conforté toujours plus leur détermination et leur résolution derrière les abominables murs. Certainement, camarades, c'est en assumant la solidarité sur le terrain de la lutte anticapitaliste et anti-impérialiste que vous apportez le soutien le plus efficace aux prisonniers révolutionnaires. Ainsi, à la veille de cette 30e année de captivité, vous êtes toujours là. Votre solidarité n'a jamais fait défaut. Tant d'années de mobilisation non seulement ont enrichi votre expérience et consolidé vos structures dans la diversité de vos expressions, mais surtout, elles ont taillé en pièces toutes les tentatives de mettre à genoux vos camarades prisonniers. Ceux qui misaient sur l'essoufflement de votre élan solidaire en sont pour leurs frais. À bas la barbarie impérialiste. Pour le communisme, nous vaincrons. À vous tous, camarades. Mes plus chaleureuses salutations rouges et passez une bonne soirée avec OPA, fils de béton et première ligne. Votre camarade, Georges Ibrahim Abdallah. Lâchez vos peurs et toutes vos certitudes. Coupez l'émetteur, rendez-vous sur le bitume. Arrêtons le débat, posons les machines. Pendant qu'ils exploitent, la planète se calcine. Le ciel s'obscurcit. Ça fait 6-7 ans moi, que je fais pas mal d'actions pour soutenir Georges Abdallah dans différents collectifs. Voilà, je ne suis pas membre à proprement d'un collectif pour Georges Abdallah, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a fait beaucoup de concerts pour lui, on a participé à l'organisation d'événements pour le soutenir, etc. Et donc voilà, ça nous semble important aujourd'hui en 2013, et bientôt en 2014, de continuer à soutenir Georges Abdallah parce qu'on estime qu'il devrait être dehors. Et c'est un soutien pas seulement pour quelqu'un qui a fait sa peine et qui devrait sortir, mais aussi c'est un soutien à quelqu'un qui est un militant révolutionnaire anti-impérialiste et militant de la cause palestinienne, donc ça nous suffit à le soutenir, quoi. Prisonnier de l'œil du cyclone, ma vie est une tempête, une mélodie que j'entonne. 93 degrés de péché et de faute, pas le temps pour les regrets comme dirait l'autre. Il est fini le temps des colonies, lancées économistes, la corruption, les valises diplomatiques pleines de fric. Déterner les pains des Français vers la Côte d'Ivoire. Mes premiers tourments sont vos premières rides. Madame, 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 et vos premiers soucis, votre fille a 20 ans. Madame, votre fille a 20 ans. OPA, groupe bordelais en place depuis 15 ans, qui fait de l'improvisation musicale et spécialisation concert de soutien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour Georges Ibrahim Abdallah. Quand on nous demande d'être présent pour des bonnes causes, on répond toujours présent quand on le peut. En silence, on y va, et si l'on retombe, si l'on retombe, quel autre possible on retombe. Avant, on faisait partie aussi du comité de soutien aux prisonniers d'action directe et ces comités collectifs ont eu vocation, suite aux libérations des prisonniers d'action directe, à se sensibiliser à la cause de Georges Ibrahim Abdallah. Donc ça fait un petit moment déjà qu'on est en soutien à cette cause. Donc, j'ai toujours peur avant de monter sur scène. Depuis 2 jours à peu près déjà, je commence à avoir le trac. Donc j'espère surtout qu'il y aura du monde qui viendront pour soutenir Georges Ibrahim Abdallah aujourd'hui et le 26 surtout à l'Amnesan devant la prison. Donc je pense que le bus bordelais est pratiquement plein, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je tiens à faire un gros big up aux gens qui font partie de ce collectif sur Bordeaux, qui se bougent, qui ont fait des tables de tables de presse tout cet été sur les festivals, qui ont fait du collage de fou pour la pièce, pour le concert de ce soir et pour la manifestation devant la prison, donc j'espère que leurs efforts seront récompensés. Il faut que maintenant l'État français ne cède pas ni devant les pressions des Américains et encore moins devant la pression du gouvernement israélien. Donc on remercie vivement encore une fois tous les groupes qui sont passés ce soir, militants,
engagé. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est l'amour.